une polémique qui leur aura servi de leçon. Depuis plusieurs jours, Meghan Markle et le prince Harry essuient de nombreuses critiques pour avoir choisi de se rendre à Ibiza, puis dans le sud de la France, à bord de jets privés. Fervent défenseur de l'environnement, il semble avoir fait une entorse à leurs principes pour privilégier la discrétion et la tranquillité. Mais s'ils ont trouvé des alliés en la personne d'Elton John ou encore d'Ellen DeGeneres, Kate Middleton et le prince William en ont également pris leur parti. Comme le rapporte le Daily Mail, le duc et la duchesse de Cambridge ont été aperçus avec leurs enfants en train d'embarquer pour un vol de Norwich à Aberdeen en Écosse, jeudi 22 août. Le tout pour 73 livres sterling l'aller, par personne. Un vol commercial, mais aussi low cost, qu'ils ont choisi de prendre pour se rendre à Balmoral, chez Elisabeth II. La famille était assise à l'avant. Je fais ce trajet tout le temps et personne ne savait qu'il était sur le vol, rapporte un passager au tabloïd, qui ajoute que Carol Middleton, la mère de Kate, était également du voyage. Un pied de nez à Meghan Markle et au prince Harry, rien n'est moins sûr. Il est plutôt probable que Kate Middleton et le prince William aient préféré ne pas être épinglés comme le duc et la duchesse de Sussex, et se garder d'être au cœur d'une nouvelle polémique de la sorte. Interrogé par le Daily Mail, Kensington Palace a déclaré ne pas commenter ce que les membres de la famille royale faisaient sur leur temps privé.